Que regardent les adolescents sur YouTube? Comment est-ce qu'ils utilisent la plateforme? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont ils et elles construisent leur identité aujourd'hui? C'est le genre de questions que je me suis posées et auxquelles j'ai essayé de répondre dans le cadre de mon mémoire de recherche de Master 1 qui portait sur les usages de YouTube par les lycéens. Je me suis dit que les réponses à ces questions pouvaient également vous intéresser et en plus, en vous racontant comment j'ai mené cette étude, c'était l'occasion de vous donner un exemple concret de comment peut se dérouler une enquête en sciences sociales. La petite enquête que j'ai menée, elle s'inscrit en sciences de l'éducation. Et on sait qu'une partie de l'éducation se fait en dehors de l'école ou de la famille, que les loisirs, les pratiques culturelles contribuent également à l'éducation. Du coup, je me suis demandé, en quoi YouTube, passer du temps à regarder des vidéos, ça peut contribuer à l'éducation des jeunes? Est-ce qu'ils apprennent simplement à voir des complots diaboliques dans des boîtes de thé? Orange, 6 lettres. J'ai pur, 6 lettres. Ça fait 666. Généralement, la première phase d'une recherche, c'est lire plein de trucs sur le thème qui nous intéresse. Donc j'ai cherché des articles scientifiques, des rapports, des bouquins qui parlaient de culture des jeunes, de culture numérique, de YouTube. On fait une liste des textes qui semblent intéressants, on commence à lire, on trie un petit peu. Ok, ça c'est cool, non ça, ça a rien à voir avec mon sujet, je m'en fiche. Tiens, j'avais jamais pensé à ça, c'est une notion intéressante. Ok, donc ça, ça a toujours rien à voir avec mon sujet, mais ça m'intéresse, donc je vais le lire maintenant. C'est quand même la troisième fois que le nom de cette chercheuse revient, faudrait peut-être que je jette un œil à son travail. Oh tiens, ça fait référence à un autre bouquin qui pourrait m'aider à y voir plus clair. Allez, je tente une nouvelle requête avec d'autres mots-clés. Oh, merde, maintenant j'ai beaucoup trop de trucs dans ma liste de lecture, j'aurai jamais le temps de lire tout ça. Et en lisant, on essaye de comprendre les concepts, de se familiariser avec les notions, de faire un point sur ce qui est déjà connu, de voir éventuellement les débats, les controverses. Par exemple, la culture des jeunes. Est-ce que ça existe réellement? D'un côté, on a des sociologues qui ne sont pas trop d'accord. Par exemple, la superstar Pierre Bourdieu. Il considère que certes, les jeunes ont des pratiques culturelles en commun, mais les différences selon les classes sociales sont trop fortes pour qu'on puisse parler d'une culture juvénile. Et dans ce cas, dire la jeunesse comme si c'était un groupe homogène, c'est seulement une construction médiatique qui masque ces inégalités. Car il y a des pratiques culturelles qui sont plus valorisées que d'autres dans la société. La plupart du temps, ça fait plus chic de dire que vous êtes allé voir un film japonais indépendant au cinéma le week-end dernier que de dire que vous êtes allé voir le dernier Fast and Furious. Et puis de l'autre côté, on a des chercheurs qui disent qu'il faudrait nuancer le tableau, comme par exemple Olivier Donat. Parce que ce qui ressort de ces recherches, c'est que les jeunes ont un nombre de pratiques culturelles assez important qui les distingue des autres classes d'âge. Donc ici, on ne parle plus de classe sociale, mais bien de l'âge. Et dans ce cas, on peut dire qu'il y a une culture jeune, qui a d'ailleurs quelques caractéristiques qui la définissent. Par exemple, l'importance donnée aux amis, la place que prend l'écoute de musique, ou encore le fait de distinguer les activités scolaires et les activités de loisirs. Évidemment, je simplifie énormément le débat, mais vous voyez l'idée. Moi, j'ai préféré utiliser le terme de pluralité des pratiques juvéniles, parce que c'est une manière de dire qu'il y a une culture juvénile, une culture générationnelle, mais que celle-ci est stratifiée, qu'il y a des différences selon la classe sociale, mais pas seulement, il y a aussi des différences selon d'autres facteurs, comme l'âge ou encore le genre. Tout ça pour dire que j'en apprenais pas mal sur le sujet, et en même temps que je prenais des notes sur des livres et des articles, j'affinais mon questionnement. Et surtout, je réfléchissais à comment répondre à mes questions. Quelle méthode utiliser? Qu'est-ce qui était faisable avec un énorme budget de 0 euros? J'ai choisi de faire une enquête principalement par entretien, parce que je suis pauvre. Réaliser des entretiens, ça revient à interroger des personnes pendant une demi-heure, une heure ou plus, sur des thèmes en lien avec notre recherche. On essaye souvent d'avoir des questions ouvertes pour que les gens puissent développer leurs propos, puissent nous raconter des événements, des habitudes, ou bien donner leur opinion. Comme ça prend du temps, on n'interroge qu'un nombre limité de personnes, et ça permet pas de faire des statistiques. Mais en même temps, c'est pas vraiment le but. La plupart du temps, ce qu'on souhaite, c'est analyser le discours des personnes interrogées pour comprendre leurs motivations, leurs actions, leurs idées, et ainsi comprendre des phénomènes et des mécanismes plus larges. Moi j'ai mené des entretiens avec des lycéens au sein de leur établissement, en essayant d'avoir des profils variés pour ensuite pouvoir comparer leurs expériences, voir sur quels points ça divergeait et au contraire, quels étaient les points communs dans tout ce qu'ils me racontaient. En tout, j'ai interrogé 24 élèves, souvent par groupe de 2 ou 3, et je leur ai posé des questions sur leur chaîne YouTube préférée, sur leurs habitudes de visionnage, sur les fonctionnalités du site qu'ils utilisent, ou bien dans quelles circonstances ils regardent les vidéos la plupart du temps. Vous vous demandez peut-être quels résultats j'ai réussi à tirer de tout ça, et comme mon but n'est pas de vous endormir, on va résumer. Une bonne partie de mes analyses conforte des choses déjà trouvées par des chercheurs qui travaillent sur les pratiques culturelles. Y'a rien d'étonnant là-dedans, je vais pas réinventer la roue. En même temps, c'est même plutôt rassurant, ça veut dire que je suis pas totalement partie à l'ouest. Par exemple, j'ai constaté que regarder des vidéos sur YouTube est une pratique culturelle qui était partagée par tous les jeunes que j'ai rencontrés, même ceux avec qui j'ai pas eu l'occasion de faire d'entretien. Et ceux que j'ai interrogés m'ont dit qu'en général, ils n'en parlaient pas vraiment avec leurs parents. En revanche, ils en discutent avec leurs amis, se recommandent parfois à des vidéos entre eux, voire les visionnent ensemble. Donc, on voit une mise à distance de la famille, une transmission culturelle horizontale,
et la création de références communes au sein de leur groupe. Et il y a aussi une affirmation de leurs préférences, puisqu'ils vont émettre des jugements sur les vidéos qu'ils regardent en me disant « Tel vidéaste, j'adore, c'est trop bien, par contre tel truc, c'est de la merde. » Même s'il y a des chaînes très populaires regardées par la plupart des ados, par exemple Dr. Nozman, McFly et Carlito ou encore Squeezie, c'est des noms qui sont beaucoup revenus, et ben on se rend compte qu'il y a une forte personnalisation des programmes selon les goûts et intérêts de chacun. Or, on sait que la période de l'adolescence est caractérisée par la construction de notre identité propre. L'un des moyens que les jeunes utilisent pour s'affirmer en tant qu'individu est l'expression de leur goût culturel, la confrontation avec ceux de leurs amis, et la création d'une culture commune. Eh bah dis donc, ça ressemble un peu à ce que j'ai vu dans mes entretiens, comme s'il y avait un lien quelque part. Du coup, ce que j'ai analysé, c'est que les usages de YouTube, ça s'inscrit dans des phénomènes plus larges, tels que l'affirmation de son identité propre, à travers ses goûts. C'est-à-dire que regarder et partager des vidéos YouTube contribue au processus d'individuation adolescent. J'ai rencontré plusieurs fois Bob Lennon, qui est un être adorable. J'ai failli faire un malaise devant lui, tellement il était génial. La carologie, j'aime bien comment elle est, la personne qu'elle est, quelqu'un de bien. Et ça se voit que c'est juste une personne gentille, et du coup, bah, j'aime bien écouter ses conseils, tout ça. Parmi les éléments récurrents que j'ai constatés, il y a la valorisation de l'authenticité chez les youtubeurs et youtubeuses. Ça permet de se sentir plus proche, voire de s'identifier aux vidéastes. Et en même temps, ça crée une tension avec une forme de starification qu'on trouve sur internet, chez les adolescents et pas que d'ailleurs, qui mettent les créateurs sur un piédestal, et donc ce qui crée une mise à distance. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est que presque tous les jeunes que j'ai interrogés ont exprimé des formes d'autocritique, en disant qu'ils regardent des choses un petit peu stupides, que c'est pas toujours le meilleur moment pour regarder YouTube lorsqu'ils le font, et ils essayent de s'auto-réguler, ce qui va un peu à l'encontre de l'idée reçue des jeunes un peu écervelés sur internet qui n'ont aucun recul sur ce qu'ils y font. Et ils m'ont presque tous parlé d'usage scolaire de YouTube, c'est-à-dire regarder des vidéos pour réviser ou bien pour revoir des notions qu'ils n'avaient pas très bien comprises. Et du coup, la frontière que mettent certains sociologues entre les loisirs et l'école, ici, elle devient un peu poreuse. Là, dit comme ça, on a l'impression que tous les jeunes que j'ai interrogés, ils font un petit peu la même chose sur YouTube, hein, ils utilisent les mêmes fonctionnalités, ils regardent le même genre de vidéos. Certes, c'est personnalisé, mais bon, dans le fond, ils font un peu pareil. Non. Bah non, quand on commence à être vraiment attentif à ce qu'ils ont dit, on se rend compte que derrière les petites différences, il y a des inégalités sociales qui s'expriment. En matière de technologie numérique, on a des inégalités matérielles, tout le monde ne peut pas se payer un smartphone, mais on a aussi des inégalités d'ordre socio-culturel auxquelles on pense moins. Donc des inégalités sur les connaissances et la maîtrise de ces technologies. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un moteur de recherche, ce qu'est une adresse IP, ou comment ajouter une pièce jointe dans un mail, par exemple. En général, les jeunes qui viennent de milieux favorisés maîtrisent mieux les technologies que les autres, parce qu'ils sont entourés de personnes qui peuvent les aider à apprendre ces choses-là. Et ça, je l'ai retrouvé dans mon enquête, avec par exemple une élève qui m'a raconté qu'à cause de YouTube, elle avait trop de notifications sur son téléphone, elle savait pas comment les enlever, et donc sa solution, bah, c'est de se désabonner régulièrement des chaînes YouTube. J'ai envie de dire, quelle autre solution peut-il y avoir? Et à l'inverse, il y en a qui m'ont parlé d'algorithmes, de YouTube qui essayent de favoriser le temps de visionnage. Ce qui indique que quand même, on n'est pas sur le même niveau de compréhension de la plateforme. En soi, on s'en fout, c'est pas grave de pas maîtriser toutes les options de YouTube. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que ça indique que derrière, il n'y a pas la même conceptualisation, il n'y a pas la même compréhension des technologies, alors que les technologies prennent énormément de place aujourd'hui et ils les utilisent tous les jours. Science for All, lui, il est vraiment, franchement, c'est pas vraiment qu'il est marrant ou quoi, mais déjà, il est souriant, et il a une bonne tête, et je trouve, il inspire la confiance, t'as envie de l'écouter, et puis il explique bien. Franchement, j'aime bien. J'ai 16 ans, bientôt 17, et je suis assez mature pour me rendre compte si un contenu, c'est pas du contenu poubelle. Si vraiment c'est du contenu de consommation très rapide, ça m'intéresse plus tant que ça. J'ai aussi vu des différences au niveau des critères de jugement. Les jeunes qui venaient de milieux plutôt défavorisés avaient du mal à expliciter les raisons qui les poussaient à regarder telle ou telle vidéo et pourquoi ils préféraient tel ou tel type de contenu. Pour ceux de classe moyenne inférieure, la popularité des vidéos revenait souvent comme un critère de choix. Et ceux qui venaient de classe moyenne supérieure, ceux dont les parents avaient une position sociale confortable, avaient souvent comme critère la qualité, par opposition au contenu poubelle ou contenu fast-food, selon leurs mots. Et ces ados-là, ils avaient plus de facilité à naviguer entre différents univers culturels, de passer des podcasts de Norman à des vidéos de mathématiques sur Science for All, aux courts-métrages indépendants des Parasites. D'ailleurs, dans mon enquête, il y a que des jeunes issus de milieux plutôt favorisés qui m'ont dit regarder des vidéos de vulgarisation. En parlant de vulgarisation, une cinquantaine de vidéastes vulgarisateurs et vulgarisatrices ont accepté de me partager les statistiques démographiques de leur chaîne pour que je puisse les analyser. Grâce à ça, j'ai pu comparer les effectifs en termes de genre, et j'ai vu que pour les spectateurs de moins de 18 ans, le ratio garçon-fille était pas le même selon le type de vidéo produit. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour les spectateurs de plus de 18 ans. Et ça correspond au stéréotype. Il y a toujours une majorité de garçons, mais elle est encore plus forte en sciences dures, qu'en sciences humaines et sociales, et qu'en arts et lettres. C'est pas le seul stéréotype que j'ai remarqué. Les filles sont beaucoup plus nombreuses à dire qu'elles regardent des vidéos dites « lifestyle », des vlogs avec des personnes qui racontent leur vie, des tutos maquillage, des tutos coiffure,
c'est-à-dire des thèmes qu'on retrouve souvent dans les magazines féminins, notamment celui du souci pour son apparence physique. Il y a aussi une mise en scène de l'intime et du domestique, avec des vidéos réalisées chez soi, des gens qui se filment au quotidien, au travers de récits d'expériences personnelles, ou bien de confessions sur sa vie privée. On peut analyser ça comme une mise en scène de son appartenance au genre féminin, par le biais de comportements, de signes, de symboles, qui sont liés au féminin, et qui sont parfois un peu stéréotypés. Et regarder ces vidéos contribue d'une certaine manière à l'apprentissage d'un savoir-être féminin, c'est-à-dire à intégrer les normes du féminin. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Comment se vêtit une femme? Comment est-ce qu'elle se comporte? De quoi est-ce qu'elle se soucie? De quoi est-ce qu'elle parle? Du côté des garçons, les thèmes qui marquent des différences genrées, c'est plutôt des thématiques en lien avec le jeu vidéo ou des vidéos de performances sportives. Je suis allée jeter un œil aux chaînes que les garçons ont mentionnées pendant les entretiens. Et je me suis rendu compte qu'il y a une partie des vidéos qu'ils classent dans humour, qu'on pourrait tout aussi bien qualifier de lifestyle. J'entends par là des vidéos de mecs qui font des blagues tout en montrant leur vie ou racontant leur quotidien. On peut supposer que ce type de vidéo a le même effet chez les garçons que chez les filles, à savoir l'apprentissage d'un savoir-être masculin à travers l'observation, l'écoute et parfois l'admiration de ces vidéastes. Et je me demande si classer ce genre de vidéo dans la catégorie humour plutôt que lifestyle, c'est pas un moyen de se distancier des productions faites par et pour des filles et du coup éviter certains jugements négatifs. Parce que lorsque des garçons regardent des vidéos faites pour le sexe opposé, ou de façon générale lorsqu'ils s'adonnent à des pratiques culturelles pensées plutôt pour des filles, alors ils vont être socialement sanctionnés. J'entends par là que leurs copains vont peut-être se moquer d'eux ou juste les regarder bizarrement, ce qui va exercer une forme de rappel à l'ordre. En gros, on est en train de leur dire « Angel Phoenix, c'est pas fait pour toi. Les tutos cuisine, t'es pas censé aimer ça. » Pendant un de mes entretiens avec trois élèves, il y en a un qui m'a avoué qu'il regardait parfois des vidéos de beauté. Les deux autres ont explosé de rire, et donc le premier, pour ne pas perdre la face, a essayé de se défendre comme il pouvait. Tu regardes du maquillage. Non mais genre, des fois je tombe sur des vidéos comme toi, hein, des vidéos qui n'ont rien à voir. Et la voix, je sais pas, c'est une voix de meuf, alors ça m'endort. Après je m'endors avec. Mais il est trop bizarre. Non mais c'est des chaînes de beauté, mais les filles elles font genre, qu'est-ce que les femmes pensent vraiment des hommes et tout, et moi bah j'aime bien regarder des trucs comme ça. Et laissez-moi tranquille wesh. Il y en a d'autres qui surréagissaient en disant que non mais les vidéos de coiffure c'est trop nul, moi je regarde pas ça. Pourtant, j'ai pas eu du tout ce genre de réaction de la part des filles qui regardent des vidéos un peu étiquetées garçons comme des vidéos de jeux vidéo. Et aussi, pendant les entretiens, aucun garçon n'a cité une seule fois une chaîne de meufs, même s'ils ont parfois regardé des vidéos qui peuvent être considérées comme féminines. À nouveau, ça peut être un moyen de se distancier des productions féminines, parce que à cet âge et dans certains milieux, c'est trop la honte d'être associé à des trucs féminins. Tout ça pour dire que derrière un vernis d'homogénéité, on se rend compte que les usages de YouTube par les lycéens sont en partie marqués par leur genre et leur classe sociale. Les différences qu'on observe relèvent d'inégalités en termes de maîtrise des technologies, de capacité à formuler un jugement, ou encore d'intégration de normes masculines ou féminines. Du point de vue de l'éducation, le sujet de YouTube pouvait paraître de premier abord un peu trivial, mais on se rend compte qu'il nous permet d'en savoir quand même un peu plus sur la place que tiennent les pratiques culturelles dans la vie des jeunes aujourd'hui et la façon dont ils se forment en tant qu'individus. Attention cependant à ne pas prendre mes interprétations pour de grandes vérités, il y en a une partie qui sont critiquables, en plus, ça reste une étude ponctuelle faite sur un nombre limité de personnes, et mon travail n'a pas été revu par des spécialistes du domaine. J'espère néanmoins avoir réussi à vous montrer qu'à travers un petit objet, eh ben on peut éclairer des phénomènes et des mécanismes sociaux beaucoup plus larges, et que maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment peut se dérouler une enquête en sciences sociales. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite avec Léa sur la chaîne Mondes Sociaux. Elle complète bien celle-ci puisqu'elle porte sur les youtubeuses adolescentes et leur façon de mettre en scène leur identité féminine. Bienvenue dans la vie de recherche. Et vous, qu'est-ce que vous regardez en général sur YouTube? Quelles sont vos chaînes préférées? Sincèrement, ça m'intéresse d'avoir ces réponses parce que, dans le fond, je connais assez mal mon public, à part à travers quelques statistiques démographiques données par la plateforme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, tout ça. Et en plus, j'ai désormais une page Utip sur laquelle vous pouvez soit me faire des dons, soit regarder des pubs qui me permettent d'avoir un petit peu de sous. Tout ça pour acheter du meilleur matériel et tout ça. Sur ce, à bientôt, j'espère.